Chérie, je t'en prie. Tu ne peux pas continuer à te faire autant de soucis pour le travail. Nous allons nous en sortir, crois-moi. Je crois que tu ne comprends pas la gravité de la situation. Je suis l'homme. Et je dois subvenir à nos besoins. Regarde-moi. Je me sens si nul. S'il te plaît, arrête. Tu vas forcément trouver quelque chose. Je sais à quel point mon homme est intelligent. Je comprends très bien ta situation, Carl. Le dossier que tu as soumis dernièrement est toujours en cours d'étude. Et la personne qui a un mot à dire, on n'est pas très proche. Je pense qu'il va falloir que tu patientes. Je ne sais pas si j'aurai assez des forces pour patienter. Là, je n'en peux plus. Je deviens fou, là. Hé, hey, calme-toi. Ça va aller, ok? Toi, au moins, ta fiancée ne t'a pas quitté. Je dois t'avouer que c'est une femme très patiente et compréhensive. Elle me donne beaucoup de force. Ça va aller. Espérons. Allô? Bonjour Marcelin. Hé, hey, Julia, ça va? Moi, ça va. J'espère que toi aussi. J'y vais bien. Content de voir ton appel. En fait, je voudrais te parler. J'ai besoin de ton aide. Tu sais que je suis toujours disponible pour toi, ma belle. Alors, je t'écoute. Non, il vaut mieux de vive voix. Tu as le temps demain? Oui, bien sûr. Pour toi, j'aurai toujours le temps. C'est gentil, Marcela. Merci. À plus tard. Ok. Alors, Julia, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, Marcelin, je sais que c'est trop te demander, mais c'est vraiment important pour moi. Tout ce que tu voudras, Julia. J'ai quelqu'un qui a introduit son dossier et son projet dans votre entreprise. Alors, si tu peux faire quelque chose pour qu'il soit retenu, c'est tout ce que je demande. Comment s'appelle-t-il? Carl. Carl Ngoy. C'est quelqu'un de si important pour toi? Oui, c'est mon frère. Écoute, Marcelin, si tu ne peux pas, je t'en voudrais pas. Julia. Je vais le faire. Je vais faire du mieux que je peux. Merci infiniment, Marcelin.
Je t'en prie, c'est pas la peine de me remercier. Tu sais que pour toi, je ferai n'importe quoi. Bon, je dois te laisser à présent. Et merci encore. Dis-lui que je ne suis pas là. Tu comptes m'inviter encore longtemps? Candy, je t'en prie. Je suis très occupée en ce moment. Ah oui? Quand il faut recevoir Julia, tu es libre. Je l'ai vue en train de sortir et je sais qu'elle vient d'ici. Elle est venue me voir pour le dossier de son frère Karl qui est chez nous. Je devais l'aider. Ah, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi juste une chance. Et tu sauras tout ce que je veux. La vie est bizarre, même si on la définit. Un jour elle commence, un jour elle est finie. Basusu bazo lela, basusu bazo seka, basusu bazo mona pasi. Tout est difficile, mais un jour tout est effacé. Tu feras du bien, mais certains n'apprécient pas. Ainsi sont les hommes, et toi n'abandonne pas. Tu dois rester fort, never give up. Sache que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Force à toi, si c'est ne lâche pas. Force à toi, frère, on ne lâche pas. Oui, elle... Devine quoi, mon cher? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné à la loterie ou quoi? Ton projet a été accepté. Quoi? Eh oui. Ils vont t'appeler officiellement demain pour que tu signes un nouveau contrat. Toutes mes félicitations, mon cher. Merci. Je suis tellement content pour toi. Ah, mon Dieu! Merci, mon Dieu. Merci. Chérie, tout va bien? Ils ont accepté mon projet et mon dossier. Quoi? Oui. Non, c'est pas vrai. Vraiment? Oui, c'est vrai. Merci, je t'avais dit. Merci vraiment d'avoir cru en moi. Ah, bébé, je serai toujours là pour toi. Sache que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Force à toi. Ne lâche pas, force à toi, frère, on ne lâche pas. Garde l'espoir, même si ton parcours t'enfonce dans la peur. Garde les sourires, même si t'as mis une flèche enfoncée dans ton cœur.
Tu peux bien changer le monde avec ton sourire et non avec tes larmes. Dans tes peurs, dans tes doutes, dans ta galère, frérot, c'est mieux de garder ton calme. Tu feras des choses, pas topé barco qu'à moi. Ainsi sont les hommes, papa n'abandonne pas. Tu dois rester fort, never give up. Sache que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oh, force à toi, sister ne lâche pas. Force à toi, frère on ne lâche pas. En dépit de tes peines, n'abandonne pas. L'avenir te sourit si tu ne lâches pas. Travaille. Alors, maintenant que vous avez une stabilité professionnelle, vous avez fixé une date pour votre mariage? Je crois que j'ai pas été totalement honnête avec Karl au sujet de son contrat. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par pas totalement honnête avec lui? Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Au fait, c'est moi qui suis allée voir Marcelin pour qu'il pèse en faveur de Karl. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider son homme sans qu'il ne soit au courant? Evie, j'ai menti. J'ai menti à tous les deux. J'ai dit à Marcelin que Karl, c'est mon frère. Non, Julia, c'est une blague. Oh, Seigneur. Il vaut mieux que tu dises la vérité à tous les deux avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Désolé pour le retard. Pourquoi t'as mis assez de temps comme ça? Excuse-moi chérie, je t'ai vu accompagner Karl et sa fiancée Julia qui sont venus me voir. Pardon? Ouais, il y a Karl et Julia qui étaient là. Karl est le fiancé de Julia? Ouais, depuis un moment déjà. Pourquoi tu fais cette tête? Y a un problème? Non, hein. Juste que je savais pas, c'est tout. Voilà. Tu es sûr? Ok. Oui, Candy, qu'est-ce que tu me veux? Il faut que je te parle, on doit se voir. C'est vraiment important. Tu sais que j'ai beaucoup de travail, Candy, j'ai pas le temps. Tellement urgent qu'on doit se voir demain. Arrête tes petites blagues, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de blaguer. Demain, vois-moi à 10h. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là?
Salut, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais, Candy? Je t'avais dit de ne pas m'appeler, non? Ah oui? Tu t'es déjà mariée avec ta fiancée Julia? Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi. Ou alors tu es sous les chocs d'apprendre qu'elle se marie bientôt? De quoi tu parles? De Julia. Elle t'a fait croire que tu aidais son frère, or qu'en réalité tu aidais son fiancé à l'épouser vraiment. Quoi? Tiens, jette un coup d'œil et tu sauras vraiment si c'est son frère ou pas. Je m'excuse. Oui, allô, Félix. Désolé pour le dérangement. Mais je mets qu'à ton moment de service. Ok, merci. Dans l'action. Je dis que le pain est trop dur. Ça arrive pas bien à la manière. Tout ça, c'est dur. Tu dois avoir des choses qu'il ne faut pas faire. Eh bien, je dois déjà partir. Il y a un client qui a beaucoup apprécié le travail que j'ai publié récemment. Alors, il aimerait bien qu'on se rencontre pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourra travailler avec son entreprise. Vraiment? Oui. Mais c'est un véritable succès. Merci beaucoup. Je suis très fière de toi, mon amour. Je te rendrai encore fière et heureuse. Je te promets. Bon, il faut gagner du temps là. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. Prends soin de toi aussi, ma princesse. Bon, je vais me changer. À ce soir. Bonjour Marcela. Salut Julia. Il faut qu'on parle. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Et c'est au sujet de ton frère. Qu'est-ce qui se passe? Je t'attendrai chez moi ce soir pour en parler. C'est toi? Je ne suis pas allé au bureau aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Alors tu viens ou pas? Ok, je passerai. À ce soir. Serre-moi un whisky. Ouais. Je sais vraiment pas de quoi il veut me parler. Chez lui en plus. Mais puisqu'il dit que ça concerne Carl et son travail, je veux vraiment le découvrir. Je viens avec toi. Non, Evie. Tu risques encore de compliquer les choses. Mais qu'est-ce que je vais compliquer exactement? Et s'il a déjà découvert que tu lui as menti et qu'il te tend un piège? Je t'en prie, Evie. Si c'était le cas, je l'aurais déjà su. Marcelin, c'est quelqu'un de trop impulsif. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse toutes ses avances. Ok, d'accord. Vas-y, mais tu prends bien soin de toi. Bien sûr. Bon, je vais m'échanger et j'y vais.
Tu sais, il était tellement bourré dès qu'on lui est rentré, il a demandé à son père, est-ce que tu as des enfants? Non mais quel con. J'arrive pas à quoi. Attends s'il te plaît. Oui, allô? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Quelque chose ne va pas? Attends, où est-ce qu'elle est? Elle s'est rendue chez Marcena et ça sent pas bon. Demande-lui de rentrer et tu sauras tout plus tard. Ok, d'accord. Merde, ça passe pas? Carl, y a un problème? Et c'est la copine à Julia. Elle voudrait que j'appelle Julia. On dirait que ça sent pas bon. Elle est où, Julia? Elle m'a dit qu'elle est en train d'aller chez Marcel. Alors, je dois vite rentrer. Je t'appelle. Chez Marcel. Tu ferais mieux d'appeler la police. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas, je dis appeler la police et tout. Alors, Marcela, de quoi voulais-tu me parler exactement? Des Carl. Il risque gros. Comment ça, il risque gros? J'ai ici dans cette enveloppe toutes les preuves qui peuvent nuire à sa carrière. Alors, c'est toi qui peux faire en sorte que cela n'arrive pas. Écoute, Marcela, je suis vraiment désolée. Je voulais t'en parler. Tu t'es bien foutu de moi, Julia. Je t'ai fait confiance. Je t'ai même aimé. Et toi, tu as choisi tout simplement de te foutre de moi. Marcela, je t'en prie. On peut parler de ça une autre fois. Où comptes-tu aller? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je t'ai déjà remercié. Je t'ai dit que j'étais vraiment désolée de t'avoir menti. D'accord? Ça ne suffit pas! Tu devais faire mieux qu'être désolée. Déshabille-toi. Tu sais bien que je ne peux pas faire ça. Ah oui? Au moins tu sais combien j'ai risqué mon boulot pour faire ce que tu m'as demandé de faire? Je sais. Je n'en sais rien! Maintenant tu vas faire ce que je vais te demander avant que je pète le plomb. Marcelin, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as rien à m'expliquer! Maintenant, tu l'auras bien voulu! Je dis, enlève-moi ça! Julien! Je...
envie d'envoyer en enfer. Bébé. Attends, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je vais tout t'expliquer, tout ça. Ok. Ah ouais, d'accord. J'ai désolé mon cœur. J'ai désolé.